Bonjour peuple congolais de la RDC et bonjour peuple du monde. Je viens vers vous pour un problème qui nous préoccupe, nous tous. Nous vivons dans un monde de dingue. Pourquoi il y a trop des enfants de rue, des enfants des rues à Kinshasa ou dans le monde? Pourquoi? À cause de l'égoïsme, à cause des matériels qui nous encerclent, des matériels qui nous entourent dans ce monde. Dans ce monde, l'être humain est devenu égoïsme. Des enfants. Est-ce que ce qui se passe en Afrique actuellement ou dans le reste du monde, est-ce que c'est ce que nos ancêtres nous ont dit? Est-ce que nos ancêtres nous ont dit de traiter nos semblables ainsi? Est-ce que le peuple bantou en RDC ont vécu ainsi? Des enfants. Mais attendez, pour avoir des enfants, il faut un homme et une femme. Mais pourquoi nos enfants, on tolère de les voir ainsi? Pourquoi? Pourquoi laisser nos enfants dormir à terre? Pourquoi laisser nos enfants dehors? Mais qu'est-ce qui ne va plus dans cette société? L'homme blanc, quand il est venu en Afrique, soi-disant pour coloniser, mais l'homme blanc n'était pas venu seul. L'homme blanc avait ramené des éléments à eux, certains noirs qu'ils avaient captivés, ils avaient pris en captive il y a longtemps. Et ils ont bien nettoyé les cerveaux de ces noirs-là. Et maintenant, qui s'habillent exactement à peu près comme eux. Et c'est cela qu'ils, quand ils ont mis leurs pattes, pas leurs pieds, hein, mais leurs pattes sur le sol africain, ils ont envoyé pour aller chercher des noirs. Et ils les ont pris de force, ils ont mis dans des bateaux, ils ont amené. Mais l'homme blanc, quand il a mis ses pattes chez nous en Afrique, pas ses pieds, ses pattes, l'Africain avait ses toilettes. L'Africain était un homme propre, malgré il n'avait pas les vêtements comme l'homme blanc. Mais il avait des vêtements propres à lui, qu'il mettait sur lui. Les feuilles des arbres, des plantes. Mais l'homme blanc a beaucoup détruit en Afrique. Aujourd'hui, nous avons un phénomène, mais qui est un phénomène très grave. L'Africain avait en lui le bien, aimer l'autre. Partager. Mais aujourd'hui, regardez aujourd'hui, vous avez des Africains en Europe. Ils vont se retrouver dans une situation, vous allez leur tendre la main. Mais après, ces mêmes-là vont vous injurier. Mais attendez, mais c'est quoi? C'est comme un direct tout à l'heure, il y a un direct chaud, un direct qui va être fait tout à l'heure. Où est-ce que je veux m'exprimer sur quelqu'un que j'ai donné de l'argent? Mais derrière qui m'injurie, hein? L'homme est méchant. L'homme noir, mais pas tous, hein? Certains hommes noirs sont méchants. Donc, nous avons un problème, les enfants de la rue. Ça fait immensément mal. Nous allons suivre un peu ce qui se passe à Kinshasa. Des enfants de la rue.
Nous allons suivre les pauvres enfants, des anges de Dieu, mais qu'on est en train de maltraiter. Hein? Ça fait mal. À cause de quoi? Les choses de cette terre, les choses de la terre et qui n'appartiennent à personne. Hein? Tout ce que l'homme amasse sur terre n'appartient qu'à Dieu. Ça appartient à Dieu. Mais pourquoi l'homme? Pourquoi l'homme va vouloir du mal? Encore là. Ah là 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 là. Voilà. Excusez-moi. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Je viens juste d'allumer ce truc. Bon. Voilà. Je sais pourquoi. Je vais redémarrer. Non, Esa réseau, c'est pas le réseau. Le réseau fonctionne bien ici. C'est pas le réseau. C'est pas le réseau. Ici, à Londres, c'est le 4G. Le 4G. Oh là 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 là. Écoutez-moi bien, ces enfants-là seront une bombe terrible pour nous. Les enfants des rues, là. Nous devons les récupérer. Parce que les enfants des rues, là, c'est voulu par les dictateurs. Les dictateurs aiment voir les enfants des rues. Parce qu'ils savent que les enfants des rues, ils pourront les utiliser pour être les informateurs. Mais c'est ce que Kabila fait en RDC. Kabila, comment il perdure au pouvoir? Hein? Il y a des enfants des rues qui lui donnent des informations. Et Kabila aime cela. Hein? Quand
quand nous parlons des collabos, il n'y a pas que les collabos qui vivent dans des maisons, qui gagnent 200 à 300 dollars en RDC. Même les enfants de la rue sont des éléments que Kabila utilise. Et les blancs, ils sont contents de voir ces enfants des rues. Parce que les blancs, vous avez des Français, vous avez des Américains, Israéliens, des Juifs. Il y a pas mal des Occidentaux qui vont en RDC. Soit disant pour les minerais. Mais il n'y a pas que les minerais. Il n'y a pas que les minerais. Pas mal vont pour la prostitution, voir les enfants. Parce que parmi ces Occidentaux qui vont en Afrique, vous avez pas mal qui sont des pédophiles. Ils vont pour avoir des rapports avec des enfants. Parce que ce qu'ils font là-bas en Afrique, ils ne peuvent pas le faire en Europe. Écoutez-moi bien. Voilà pourquoi moi, les gens qui abusent les enfants, c'est de prendre le couteau et de les couper. De couper leur tête. Oui, parce qu'un enfant, on n'a pas le droit de toucher un enfant. Un enfant, c'est un ange. Vous avez des députés en RDC. Hein? Ils vont avec des voitures banalisées chercher des enfants des rues pour aller coucher avec eux. Des papas des députés. Il y a un problème. Il est temps que l'Africain ouvre ses yeux. Il est temps que l'Africain reparte dans ses origines. Voilà pourquoi. Toutes les statuettes qui sont au quai de Bromley, les statuettes de nos ancêtres, ils doivent nous restituer les statuettes de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres sont emprisonnés dans des musées de l'homme blanc. Il y a à Paris, il y a aux États-Unis, il y a en Italie, en Espagne, en Angleterre, un peu partout dans les pays des Occidentaux, où est-ce qu'ils ont nos statuettes, de nos ancêtres, les masques et les statuettes. Au Vatican aussi, chez le pape, il y a des masques, des statuettes de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de nos ancêtres. Les missionnaires ont fait un travail immense. Quand ils sont venus en Afrique pour apprendre la Bible, ils ont volé immensement les biens de nos ancêtres pour pouvoir avoir contrôle à l'Africain. Attendez, mais comment l'Africain avait déjà Dieu en lui? L'Africain créé en premier. L'être humain blanc vient en Afrique. Il lave le cerveau de l'être humain noir. Il inculque des mentalités barbares à l'homme noir. Et il vole immensément les biens de l'homme noir. Mais c'est quand même aberrant. Hein? Il faut que nous ouvrons les têtes. Nous allons repartir dans ce reportage. Aujourd'hui, je ne mettrai pas beaucoup de temps pour expliquer pas mal de choses. On va faire ce reportage-là, ce direct, et quand il sera l'heure pour aller de l'autre côté faire le direct avec avec un frère sur le sujet d'un escroc qui m'a escroqué de l'argent, et il faut que j'en parle. Donc j'irai là-bas tout à l'heure, mais pour le moment on va faire ça, on va suivre ce direct-là. Donc on repart sur les enfants des rues en RDC. C'est quand même choquant. L'enfant en situation difficile. Une affaire de tous. Oui, c'est une affaire de tous. Mais est-ce qu'il y a pas mal de gens qui ont l'amour des enfants des rues? Non. Il y a pas mal qui s'en foutent. Mais est-ce que ceux qui s'en foutent là, est-ce qu'ils pensent à leurs propres enfants qu'ils ont? Parce que demain, leurs propres enfants peuvent se retrouver dans une situation terrible. Hein? Nous avons vu des enfants de Mobutu. Les enfants de Mobutu, ils vivaient bien. Mais quand Mobutu est parti, hein? Est-ce qu'aujourd'hui nous voyons les enfants de Mobutu aux Champs-Élysées comme hier? Est-ce que nous les voyons au drugstore comme hier? Tous les enfants de Mobutu, ils se cachent. La plupart même pour avoir un morceau de pain, c'est difficile. Ça devrait ouvrir
la pensée de pas mal des Africains. Demain, vous allez voir, les enfants de Ali Bongo, ils vont souffrir. Hein? Les enfants de Sassou Nguesso, ils vont souffrir. Moi, je me rappelle quand Sassou était en exil. Vous avez des enfants de Sassou avec des Bibles. Des Bibles dans le RER de Paris. Ils avaient des Bibles. Quand ils voyaient les gens, ils vous donnaient bonjour et ils disaient « Ah, que Dieu te bénisse !» Mais aujourd'hui, ils ne parlent pas comme ça. Aujourd'hui, c'est voler, tuer, violer. Ça, ils le savent. Mais hier, ils avaient des Bibles. Ils parlaient de bien. Quand ils voyaient les gens, que Dieu te bénisse. Mais aujourd'hui, ils ont oublié que Dieu te bénisse. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, les enfants ne méritent pas de souffrir ainsi. Nous refusons. Je refuse cette pauvreté, je refuse ce système qui vient de dictateurs pour tuer l'Afrique. Parce que des enfants, si on les massacre comme ça, est-ce qu'il y aura des générations demain? Est-ce que demain, la RDC qui est immensément un grand territoire immense, est-ce que demain, si on détruit cette jeunesse, qui vont remplacer cette jeunesse demain? Voilà. Nous allons continuer. Voilà. Voilà. Attendez. Non, ça fait mal. Mais nous avons voulu est-ce que tous s'intéresser d'abord sur la vie. En fait, il y a bande comme Soussou, bande on a vu comme Soussou ne va vivaka, ne va liaka, ne va melaka. Comment est-ce que vous allez passer vie na bango? Nous avons déjà rendez-vous dans un mois si asa awa leki na bisu. On va pisa imbote. Yaya bonjour. Bonjour. Mon nom. Grâce. Tu zana ya grâce asa awa. Namon ya grâce. Mais non, tu mon nom n'a pas pota. Quand même, des jours, mon nom n'a pas pota. Est-ce que le nom n'a pas pota ma casse gouénine? Bassin? Bah, tout à qui, ouais? La transco. Toi qui en a transco. Mais ça, il a pota. Il y a un peu d'hôpital. Toi, non, tout à qui, est-ce que beaucoup t'en as un sous? Toi, il y a un peu d'hôpital après. Peut-être Wandoliane. Je crois quand même, on s'approche un peu pour nous au monde, puisque dernièrement, la mona, on a pas pour taboueté. Alors, va pour taboueté, surtout la moni, Ozaki, dans l'hôpital. Au salaire, il y a combien de jours? Deux mois au salaire, Olobi moto a transkona o akima. Ezalaka boye. Tuzo akina baninga na ngai bon bazalaka te. Uninga ngana mususu munene akene chupa gina atumba na mutezi boma. So penini na na zosti na zosengi a sezo bon na boy. Ake tumba mutezi boma. Azo ya kuya ya zo ya akima mutezi boma na la na akima ba. Atini ki mutu na la loko ti mutu na na vandi sa pa ya tindi. Maman, tu n'as pas dit que la transco, maman, est tout en affaire. Ok, donc le transco, ce qu'il faut peut-être vous expliquer un peu, c'est que le bus, le bus, le gouvernement est en place pendant que son bateau est en transport. Il y a un transco. Il y a un bus à Miné, il y a un bus à Kimbuta. Il y a un transco. Alors, il y a grâce. Tout le monde peut expliquer plus au moins, Mouké. Il y a grâce. Bah, parents, on va dire.
kabwana. Est-ce que vous comme papa na? Pas junior, bon maman na. Ma Karine. Yo bando fanda abi. Tu bando fanda. Na ma si na sans fille. Est-ce que lelo mona ka lisuba papa mona papa na mama na? Ok, maman qui m'a Kenda Braza. Mais tant qu'il y a Kenda Braza, tu connais ma boucle. Siko, tant que tu as dit 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 que allez, bon, alors, si vous avez dit que 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 vous avez dit. Et osana biloka malili au mi fini karatoni. Bisonne se faisant un petit. Donc à osana monde au lac. Scoo, namonio, nabilamati, elamba, liputa, osana. J'ai pour lati. Homme Élysée. Élysée n'aime pas à son mari que n'a pas fait ce j'ai pour lati. Yo, moi, osana bilamati. J'ai posé la raconte. J'ai pas 1000 francs, on a gambé, j'ai pas 5-6 ans. Et j'ai posé la 1000 francs. Quand il y a son poids, il y a son bac en 1000 francs. Oh, Elisa, son bac en 1000 francs. Ça va. On a ce tout aussi, c'est on a son bélo jeep. Hein? Vous l'aimez bon, on a terre. Ok, mais ça. Il est beau que son bel égypte, hein? En plus, c'est bon, 1000 francs que à son bel égypte. Alors, ce que, grâce, Nani, tout est bien. Est-ce que vie au Yakofan, la Liban, les a vie malade? Et au monde, à eux, c'est plus à côté, la vie, n'est pas vivante. Il est pas bien, ta vie, ça. Pas bien, pas banane. Il est pas bien, il est pas bien. Non, quand ça qui est pas bon, il est déjà dans le bal, mais bon, il est dans le bal. Tout le monde, il n'y a pas de pété. Il n'y a pas de pété. Il n'y a pas de pété. Ok. Nabi, est-ce que Nabi? Nabi, il y a grâce. Hein? Ya grâce, Colanda n'a noté. Colanda été. Navi, grâce. Ce qu'on a vu, boy, n'ingé tout ça, boy, banami baluana, ou bakena kolana. Est-ce que il commet la copie canadienne de baza boy, bamina, ce probablement? Malima va violer la gamaka,
Merci. Nabanzi que tout le monde est salé, bisopé, plaisir, puisque yozo bo a quand même zéla mabé. Alors, toujours, c'est pour la colline. Tout le monde est-ce que depuis ton golet, golet tes points. Nous savons. Pardon. Vous avez entendu? Hein? Ce journaliste, il pose à la petite. Est-ce que tu as mangé? Elle va dire non, depuis le matin, elle n'a rien mangé. Il va dire, il a posé la question, tu dors dans quoi? Est-ce que là où est-ce que tu dors dehors, tu as un matelas? Elle va dire non, j'ouvre un carton et je m'allonge dans le carton pour dormir. Hein? Et il va dire, est-ce que tu as des habits? Elle va dire, la jupe que j'ai là, c'est la jupe de ma copine qui est à côté, une amie qui m'a prêté. Mais à part la jupe que tu as mise là, est-ce que tu as des vêtements? Elle va dire, non, j'avais un vêtement avant, un genre de pantalon en collant que j'avais donné à une amie. Et depuis, cette amie, elle était partie, l'habit a été déchiré, donc je n'ai plus rien. Un pays immensément riche! Il y a beaucoup de minéraux. Et Moïse Katumbi, qui n'est pas un Congolais, mais qui a un passeport congolais de la RDC. Hein? Il vend immensément les minéraux du Katanga. Moïse Katumbi, est-ce que il ramasse les enfants là en RDC? Non. Il les laisse dans la rue. Il les laisse dans la rue, ces enfants là. Des pauvres innocents. Un pays immensement riche. Mais c'est grave. Les enfants de la rue. Et c'est une petite fille. Hein. Elle mérite d'aller à l'école, mais elle ne va pas à l'école. Voilà le monde que Kabila veut. Voilà le monde que Sassou Nguesso veut. Voilà le monde que Ali Bongo veut. Voilà le monde que Paul Biya veut. Voilà le monde que Idriss Déby veut. Voilà le monde que Paul Kagame veut. Tous les dictateurs, ils aiment ça. Ils aiment cela. Voir les enfants de la rue, la misère, ça leur fait immensément plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils ont Satan en eux. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils aiment Satan. Et Satan, lui, qu'est-ce qu'il demande? Les enfants de la rue. Les enfants perdus, Satan veut cela. Et l'homme blanc, voleur des minéraux, qui vient piller les richesses en RDC, qu'est-ce qu'il veut? Les enfants de la rue. Ce qui se passe en RDC, ça se passe dans toute l'Afrique. Où est-ce qu'il y a des dictateurs? Parce que les dictateurs veulent avoir tout. Non, ça fait mal. L'heure, elle est grave. Les Africains doivent se réveiller. Les Africains doivent comprendre que l'homme blanc est la menace totale de l'être humain noir. Est-ce que nous vivons à l'époque de nos parents? Je me souviendrai quand j'étais petit, toujours. Mais mon enfance, quand j'étais petit, j'ai connu ce qu'on appelle le calvaire. Le calvaire. Quand je quittais des fois de l'école, je rentrais à la maison. Il y a des travailleurs à la maison. Je dis, il faut que vous me servez à manger. Ton papa a dit, tu ne manges pas aujourd'hui. Et petit, hein? 8 ou 9 ans. Pourquoi? Parce que mes propres mamans, ma propre mère n'était pas là. Et mon papa, il me torturait. Pourquoi? Parce que ma mère était partie. Mais est-ce que si ma mère était partie, moi je devais subir? Et c'est ce qui se passe dans pas mal des enfants. Mais moi, quand je vois les enfants là, les enfants de la rue, de la RDC, ou des enfants de la rue
du Congo, Brazza ou d'ailleurs. Mais je comprends. Mais c'est très malheureux ce que les parents font aux enfants. Un enfant, c'est un innocent. Un enfant n'a pas demandé à venir. C'est bien d'aller avec les filles des gens. C'est bien d'aller enceinter les filles des gens. C'est bien beau, hein? Mais il faut assumer. Est-ce que Dieu a dit il faut aller enceinter au pied abandonné? Hein? Nous avons intérêt de changer le contexte des enfants de la rue. L'Afrique n'est pas pauvre, hein? Immensement riche. Mais l'homme blanc, qu'est-ce qu'il a mis dans la tête de l'être humain noir? Ah, tu sais, si tu as 4 enfants, 5 enfants, 8 enfants, nous allons te donner un HLM, un pavillon HLM. Ou nous allons te donner un grand appartement HLM. Non. Est-ce que nos parents ont vécu dans des HLM en Afrique? Hein? Et c'est comme ça que l'homme blanc utilise bien l'homme noir et suit le tableau. Il essuie le cerveau, l'intelligence de l'être humain noir, en lui faisant croire que l'Europe, c'est bien. Mais l'Europe, c'est important, parce qu'en Afrique, chez nous, les blancs, ils sont pleins là-bas. Moi, je me souviendrai toujours, les années 80, il y a des blancs qui venaient au Congo, Brazzaville, avec 0 francs. Mais en peu de 2 ans, ces blancs-là devenaient des grands, grands hommes d'affaires. Hein? Et vous regardez comme ça rouler avec des 4x4 qui coûtent vachement cher. Pourquoi? On leur donnait des activités par des dictateurs comme 8%. Ça sous. Hein? Non, ça fait mal. L'Afrique va mal. Ça. Maman, 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 félicitations. Alors, ce qu'on a besoin, Naïeba, pour nous couler au sol à l'année. Là-bas aussi un problème de son. Vraiment, ça fait mal, donc, mesdames et messieurs, je crois quand même, Bozeu, Kanengi, Marambo, et Salamata. Alors, merci encore une fois de plus, Namino, pour vous soutenir, Bissou, Malorie, c'est la Congolaise, voilà. En tout cas, le jour où le footballeur intelligent, Chancel Mbemba, demi-dieu, on se joue en Belgique, Bissou Motebele, Skozali. Mon maman, joyeux anniversaire à maman. Moi, c'est Chancel Mbemba. Merci d'un battu tout. Je peux vous soutenir encore une fois de plus. Donc, je suis là. Vous avez appartenu à l'émission. Oui, mais trop, oui. La trompette, elle est beautiful. Oui, c'est trop, oui. Notre salle de trop de Mbemba, si. Caprice, deuxième dame de l'émission. Vous avez des passés de l'émission. Nous avons un pays je dis encore bien potentiellement riche. Mais les lots battent, bazou souffrir,
batouazoi, baté, et si kanini, bakouki, n'y a pas vivre. Alors, j'aime bonne. J'aime voilà que ça ensemble. J'aime bonne. Merci, bravo. En tout cas, à ce mérité, il y a un peu de temps à l'Égypte. Pour Balbi, après avoir collé l'Égypte, il y a un peu de temps à l'Égypte. Il y a un peu de temps à l'Égypte. Alors, on se dit déjà avec notre sœur Grâce qui n'a pas de quoi mettre. De quoi mettre sur son corps, donc comme vêtement, au oiseau. On a mis. Parce qu'on est tous à bouillir. Si on a tout bazar, on a un petit conseil là, un nid. Il y a un pénal pour ça, il y a un nid. Pardon, l'eau. On a un Oui. Banque centrale du Congo. Mais banque Oyo, la centrale est compliquée à Grâce. Mais du Congo à Monica, même à Tanyango. Félicitations. Déjà, il s'est dit combien de temps depuis Oza en bas là-bas à la boule? Vous voulez des bonnes années, Liban? Ok, bon, ça va, y'a grâce. Kosilika naote, pour la nette, y'a zotoum lokavoy. Nabi, si go, y'a grâce. Les abonnés, nous autant, mais pour ça, pika ma colombe, ce que. Y'a grâce, kolanda été. Nabi, hein. Namon, nous autant, la paix ma colombe. Montréal, Zoland, mon y'a grâce, y'a grâce à Zoboman. Et puisque autant, ma colombe, le poil. Alors, il y a grâce, comme il y a une personne à Souka. Pour Olivier, vous en avez besoin autant. Batouba. Si vous avez besoin, vous avez besoin.
wana za concept. Ok, merci ya grâce. Navi ya grâce, c'est quoi ceux qui ont bénéficié de l'année? Ok, merci. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous disons un grand merci à Nabi Novatoul, à Nabiso. Une seule chose que nous avons toujours dit, soyons sensibles aux cris des détresses. Soyons sensibles aux cris des détresses. Aujourd'hui, on n'a pas voulu à ce que tu aimes la vie, nous, musicien. Mais tout le monde qui aime la vie, nous, 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 oui, bah, vina bango ndenge ezolika. Alors, pour nous, tout besoin a besoin de kosunga ya grâce. Ya grâce aza awa. Ya grâce kusu ba toli mwa mono ba mono ba ngana bine na mono na osiko. Merci. Donc, on a eu place tout besoin ya grâce. Mais bah, au bosa, on a besoin ata elamba ya pamba. Ata mini tata elamba bosunga bango. Ezala mwa malamu. Alors, merci infiniment à la équipe d'info à réalisation. Merci Nabatutu Obasunga Rabisoneti Chancel Mbemba à demi-dieu. Entre lui et les ballons, il n'y a pas d'espace. Mopao Mazamba, le roi de la forêt depuis Saint-Étienne. Tous en Abatouaza et Bélo Valandabisoma, Loris la Congolaise, Caprice deuxième date de Moubien, vous et Van Moiri. Na Autriche, là où dit l'on a pour exemple à suivre. Et puis tu m'y es en Chine, Diego le nécessaire, Joël Mouya Dior, Mouté Malorian et Japon, Maman Gucci, et tous les Bélé. En tout cas, merci. Nous sommes tous à la fin de l'émission. Tous à la Bélé, tous abonnés sur Nouvelle Tendance TV, aux nouvelles chaînes à Bélé d'attache, et également, nous avons une nouvelle façon de faire les choses, et puis un nouvel esprit dans le travail. On se fixe au rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Merci à Jétro Mbomba. Merci à la réunion, surtout à son abisso, Neti, Osnama. Nous avons suivi les enfants de la rue. Cette jeune fille est en train d'expliquer et à côté. Il y a pas mal de ses collègues qui sont à côté, des collègues filles qui sont à côté. Ça fait mal. Et cette jeune fille, elle vit dans la rue, à Kinshasa. Un pays immensement riche, qui égorge immensement des minéraux. Et ces minéraux-là sont volés chaque jour. En RDC, il y a des poids lourds qui amènent le cobalt, le coltan, le tantal, l'uranium, le diamant, l'or. Ils vont avec, en direction d'où ? Kigali. Le Rwanda. Après, il y a des avions qui décollent pour aller avec. D'autres, le Japon, la Corée du Sud, Corée du Nord, les États-Unis, la France, l'Allemagne, toute la communauté européenne. Les grands voleurs des minéraux. Et en Centrafrique aussi, ils volent. Hein. Ils volent des minéraux immensément en Centrafrique. Hein? L'Afrique devient le terrain de football des Occidentaux, grands voleurs des minéraux et grands pédophiles des enfants en Afrique, parce qu'ils aiment bien, jouir avec nos enfants. Hein? Ces monstres, ces vampires. Il est temps que nous ouvrons nos yeux. Nous devons en découdre avec tous ces Occidentaux dans nos terres en Afrique. L'alerte, elle est donnée. Il faut que l'Africain commence maintenant à chicoter l'être humain blanc dans nos terres en Afrique. Il faut commencer à les frapper. L'homme noir devait être efficace parce que trop, c'est trop. L'esclavagisme. L'homme noir a souffert. Et souvenez-vous à l'époque, qu'est-ce que Nicolas Sarkozy avait dit? L'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. Cet Hongrois de merde, il avait dit.
Nicolas Sarkozy. Mais je lui demande qu'il aille encore à l'école et apprendre l'histoire. Parce que l'école où ce qu'il est allé, on lui a menti sur l'homme noir. L'homme noir est vraiment rentré dans l'histoire. Hein? L'esclavagisme. Les viols, les fémicides, tout, c'est en Afrique. Hein? Et en Europe, ils donnent les gens des appartements. Hein? Ils donnent des gens, pavillons, familles nombreuses, maisons sociaux, et les Africains sont contents. Ils disent, nous avons gagné la coupe. Mais non, ça c'est pas gagner la coupe. La réussite de l'Africain, il faut que l'Africain rentre chez lui. L'Afrique, elle est riche. Mais tous les Africains sont partis de l'Afrique. Pas mal sont sortis. Et qui est en Afrique actuellement? Les étrangers, voleurs des minéraux. Regardez un monsieur comme Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, toutes les Bibles. Hein? Toutes les Bibles. Les feuilles des Bibles. Hein? Les papiers là. C'est Vincent Bolloré. Hein? Il s'est fait immensément beaucoup d'argent avec. Et Vincent Bolloré, il est maintenant dans le domaine de la France-Afrique. Grand voleur des minéraux en Afrique. Grand voleur des ports en Afrique. Tous les ports en Afrique, Vincent Bolloré. Hein? Bolloré. Les trains, les vieux trains que les colons ont laissés, hein? Vincent Bolloré. Mais il y a un problème. Est-ce que à Paris, Gare de l'Est, Gare du Nord, Montparnasse, est-ce qu'il y a des trains, les trains centrafricains ou les trains gabonais ou ivoiriens, est-ce qu'il y en a? Mais il faut que l'Africain se réveille. Il faut que l'Africain se réveille. Il y en a marre. Tout ce que l'homme blanc a en Europe, aux États-Unis et ailleurs, c'est grâce aux minéraux de l'Afrique. L'Afrique, ils disent, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais quel berceau de l'humanité? Berceau de l'humanité, il y a pas mal des enfants des rues. Il faut commencer maintenant à frapper l'homme blanc. Et l'alerte est donnée. Hein? Boma Bakolabon à Kinshasa et frapper l'homme blanc. L'alerte est donnée. Et dans toute l'Afrique, il faut commencer à chicoter l'homme blanc. Et nous allons faire ceci. Quand l'Afrique va être libérée, c'est mieux que l'homme blanc reste chez lui et l'homme noir chez lui. Nous allons faire maintenant l'apartheid. L'homme blanc chez lui, l'homme noir chez lui. Et ça serait mieux. Parce que l'homme blanc a trop fait du mal. Là, regardez la tour Eiffel. C'est le métal du Gabon, hein, la tour Eiffel. Le fer du Gabon. La tour Eiffel. Et après, les Gabonais, ils disent, les Gabonais, c'est des pauvres. Les Africains, c'est des pauvres. Mais l'homme blanc est pauvre. Parce que tout ce qu'ils volent en Afrique, si l'Africain, aujourd'hui, ferme toutes les portes, vous allez voir. Pourquoi Emmanuel Macron fait un semblant? Il fait un semblant sur la situation de l'Afrique. Un Togolais lui a posé la question. Il n'a pas su bien parler. Il faisait des tic-tac et tic-tac de réponse. Oh non, la France ne doit pas se mêler, hein, comme avant. Quoi? Mais pour aller enlever Gbagbo au pouvoir, Sarkozy l'a fait. Hein? L'endroit de merde. Pour aller tuer Kadhafi, Sarkozy l'a fait. Hein? L'endroit de merde. Hein? Il est temps que l'Africain ouvre ses yeux. Que l'Africain puisse comprendre que le malheur de l'Afrique, l'homme blanc, il est temps.
Et il y a des Africains qui sont méchants envers l'Africain parce que l'homme blanc les a inculqués dans la tête. Faites souffrir l'homme noir. Et pourtant, eux-mêmes, ils sont des noirs. Mais leurs amis, faites souffrir votre semblable. Non. Mawa. Nous allons suivre les enfants de 10 ans et 13 ans. La RDC, ce n'est pas République démocratique, non. C'est République indémocratisée. République indémocratisée. Il n'y a pas de République démocratique, non. République indémocratisée. À l'époque du maréchal Mobutu, le Zaïrois, dans le monde, le Zaïrois était respecté. Est-ce qu'un blanc pouvait jouer avec le Zaïrois? Non. Mais aujourd'hui, pourquoi ça va mal? Est-ce qu'aux États-Unis, celui qui dirige la Maison Blanche, est-ce que c'est un Rwandais Tutsi ou c'est un Américain? Mais pourquoi en RDC, ils ont placé un Rwandais Tutsi dans le pays qui est la terre des Congolais? Mais c'est grave. Non, l'homme blanc est méchant. L'homme blanc est méchant. I will say that you white people, you are very bad. Slavery. They make many black to suffering in slavery. Et maintenant, vous prenez nos pays en otage. La RDC en otage. Congo-Brazzaville chez moi en otage. Le Gabon en otage. La Centrafrique en otage. Le Cameroun en otage. Le Togo en otage. Toute l'Afrique va mal. Hein? Mais est-ce que l'Afrique anglophone va mal? Non. Là où les Anglais ont colonisé, tout va bien. Ils ont des entreprises. Mais là où il y a les Français, tout va mal. Mais il y a un problème. Maintenant, ce que nous devons faire, en tant que révolutionnaires, activistes, résistants, nous devons couper le cordon ombilical avec la France. Coûte que coûte. Les Français restent chez vous et les Africains noirs, nous allons rester chez nous. Est-ce que l'homme noir ne vivait pas quand l'homme blanc n'était pas, avait pas mis ses pattes en Afrique? On vivait bien, pas ses pieds. L'homme blanc a mis ses pattes sur le sol de l'homme noir. Et nous vivons une vie catastrophique en Afrique parce que l'homme noir, l'homme blanc a mis ses pattes sur le sol de l'homme noir. Pas ses pieds, mais ses pattes. Les pattes de dindon. Oui. L'homme blanc est méchant vis-à-vis de l'homme noir. Maintenant aux Africains d'être méchants envers l'homme blanc. Mais ça doit être vice-versa. Si l'homme blanc te gifle à la joue droite, toi tu lui gifles à la joue droite et gifle à la joue gauche. C'est comme ça. Moi j'apprends à mes enfants. Je dis si on vous gifle à la joue droite, vous gifle à la joue droite et gauche. Mais c'est comme ça. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas ce que l'homme blanc est venu enseigner. On te gifle à la joue droite, dans la joue gauche. Non!
parce que l'homme blanc est un barbare. Sur le sol africain, l'homme blanc est un barbare. Toute la politique misérable qui se trouve en Afrique, c'est parce que l'homme blanc est mauvais. L'homme blanc est jaloux de l'homme noir. Tout ce qui se passe, c'est l'homme blanc. Parce qu'il a mis le venin de la haine, de la méchanceté en l'être humain noir. Déteste ton semblable. Comment des parents peuvent faire des enfants? Ils font des enfants, ils abandonnent leur enfant en disant enfant sorcier. Comment ça? Mais toi qui accuses ton enfant qu'il est sorcier, c'est que toi-même tu es sorcier? Comment tu peux laisser ton enfant? Est-ce que Dieu a dit ça? Qu'on me montre dans le passage de la Bible de l'homme blanc, qu'il me montre. Où est-ce que Dieu a dit de laisser un enfant dans la rue? Que l'homme blanc me montre. Il me montre. Dieu dit ça où? Que l'homme blanc me montre la mondialisation. Dieu parle de la mondialisation ici, que l'homme blanc me montre. Où est-ce que Dieu dit mondialisation, qu'il me montre dans la Bible? Ou qu'il me prend le dictionnaire et me montre l'homme blanc, soi-disant intelligent. Hein? Et je vais dire, tu es le plus grand idiot, l'homme blanc. Parce que les mathématiques, ça ne vient pas de l'homme blanc. Ils ont volé cela en Afrique, en RDC. L'os du Shango. Les mathématiques, les divisions, ça vient du Congo RDC. Frappez sur Google. L'os du Shango. Hein? Mais l'homme blanc est un menteur. L'histoire, il nous a toujours appris l'histoire des rois de France. Moi, je n'aimais pas. Dès qu'on arrivait à l'histoire en Afrique, l'histoire, hein, je disais toujours, monsieur le professeur, absent, je dois sortir de la classe. Je n'ai pas besoin d'apprendre l'histoire. Et le professeur me disait, pourquoi? Vous devez être là pour apprendre l'histoire. J'ai dit, je ne vais pas apprendre l'histoire de l'homme blanc. Est-ce qu'ils apprennent l'histoire de Roi Makoko? Est-ce qu'ils apprennent l'histoire de nos ancêtres? L'homme blanc, il m'a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal à mes semblables. Regardez les migrants à Paris. Les migrants, on les laisse dormir dehors. Mais la France, elle vole les minéraux où? C'est pas en Afrique? La Belgique vole les minéraux où? C'est pas en Afrique? L'Allemagne vole les minéraux où? En Afrique. Mais est-ce que les Allemands laissent les migrants dormir dehors? Non. Les migrants, ils dorment dans des maisons. Donc l'Allemagne, les parents d'Hitler, en réalité, ils sont mieux. Parce que les Français, ils sont méchants. Les Français, ils sont méchants. Si vraiment les Français avaient un cœur, comment ils peuvent laisser des êtres humains dehors? Et ils sont contents quand ils voient des Noirs dormir dehors. Ils sont contents. Ils sont contents. Ces enfoirés de merde, ça leur fait plaisir. Merci, merci Nabana Poto, merci Nabana Yangola, merci.